C'est la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, c'est le grand jour, je repasse le permis de conduire. C'est stop Thibaut. Ah merde, c'est vrai. En effet, dans cette vidéo, je vais passer le permis de conduire en situation réelle. Une vraie auto-école, une vraie monitrice, de vraies questions et un petit peu de stress seront au rendez-vous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous donner un maximum d'astuces pour que vous soyez prêts le jour J. Vous êtes prêts? C'est parti. Boum! Mais pour cette vidéo, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de la petite monitrice Anne. Non, pardon. Désolée. Je suis désolée. Coupé, on la refait. Je serai accompagné de la seule, l'unique, ma petite monitrice Anne. Damn! Ah, elle m'a marché sur le pied. Aïe. On passe à la suite. Oh putain, pardon. Anne, présente-toi rapidement. Donc j'ai 22 ans, j'habite à Gaillac, je fais ce métier depuis environ 6 mois maintenant. Depuis début 2019. Ouais, ta phrase. Depuis début 2019. Avec Anne et moi qui bégayons, ça va être compliqué la vidéo. Pour la petite histoire, les gens, sachez que j'ai loupé le permis deux fois. Ah oui. J'espère ta confiance. Bah oui, on va essayer. Je pense que j'ai vu pire que toi. Ça c'est pas sûr. Donc c'est parti, on s'installe, première étape. Vous mettez la musique un peu aussi ou pas? Non. J'aime bien conduire avec la musique moi. Ah bah non, pas le jour du permis. Ah d'accord, ok. Attends. On règle le siège. Ah non, attends, c'est un peu trop. Attends. Ok. Alors, il faut que tu te cales par rapport à ta pédale d'embrayage. C'est bon. Une fois que tu as réglé la profondeur, tu vas régler la hauteur de ton siège. Donc là, c'est comment? Comme ça? Oh putain. Peut-être pas, là c'est un peu trop. D'accord, ok. Quand tu tends ton bras, le haut de ton poignet arrive en haut de ton volant. Voilà. Ensuite, la ceinture. D'abord, il faut que tu règles tes rétroviseurs avant de mettre la ceinture. Comme ça. Voilà, il faut que tu ailles entièrement ta lunette arrière. Voilà. C'est bon, je vois bien la lunette arrière. Et ensuite, tu dois régler tes rétroviseurs extérieurs. C'est là-bas. Un petit bouton. C'est comme la Play. Ah. Tu joues à la Play? Pas trop, mais de temps en temps. On va jouer à GTA un peu aujourd'hui. Exactement. Non, peut-être pas. Mais... Et une fois que l'on est bien installé, on n'oublie pas là. La musique. Non. La muscu. Je t'aide. La ceinture. Oui. Thibaut, c'est bien. Yes. Important la ceinture, est-ce qu'il faut bien que ça passe entre les pecs? Ouais, il faut bien que ça passe entre les pecs là. D'accord. Ok. Ah, voilà, on est bien installé, on peut commencer. Parfait. Anne, maintenant qu'on est bien installé, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah du coup là on va partir, on va commencer l'examen. C'est vrai déjà là direct? Ah bah oui direct. Pourquoi t'es pas prêt? Si c'est bon. Ah bah on le repasse un autre jour si t'es pas prêt. Non, c'est bon, allez, c'est parti. C'est parti. Voilà le caddie. Allez-y madame. Dites pas merci surtout hein. Ça c'est ouf, ça me rend ouf. Les gens qui remercient pas. Est-ce que t'as beaucoup d'élèves qui sont stressés pour le jour du permis? Ah oui beaucoup. Quand on fait les leçons. Thibaut, c'est un stop. C'est un stop Thibaut. Ah merde, c'est vrai? Mais oui. Oh là là. La vidéo va être longue. Ça va être long et douloureux. C'est ce qu'elles disent toutes. Oh. Alors, on fera demi-tour, alors demi-tour du rond-point. Donc là on regarde à gauche, on regarde à droite, il n'y a personne. Alors par contre on se met à gauche, on met le clignot à gauche. Ah oui. Voilà. Là, et là tu regardes à droite si tu peux te serrer. Clignot. Ok, si on peut serrer quoi? Ben si on peut se serrer contre le trottoir. Ah. Si jamais il y a des voitures qui arrivent. Mon cam, qu'est-ce que tu penses de la conduite de ton frère? Un peu catastrophique, les clignotants il connaît pas. Ouais. Normalement ça on le fait avant de partir. Ah, le rétro verde. Ah ben oui. Oh là là. Le pire souvenir que t'as eu toi avec je un élève? À moitié dans le fossé. À moitié dans le fossé. Mon élève a tourné un peu trop les roues vers la droite. Oh là là, t'as eu peur non? Ah, j'ai eu super peur. Là y'a personne, on peut accélérer un peu là, même voilà. Si 50. Oui c'est bon, c'est limité à 70. Ah bah, c'est bon, on pousse à 80 alors. Ah bah non, c'est 70 Thibaut. Les gens, dites moi en commentaire si vous avez le permis, le code ou le permis vélo. Dites moi avec quoi vous circulez. Alors bah écoute, je laisse me guider ou est-ce que je vais là? Direction Montaumont s'il te plaît. À droite. Là la voiture on laisse passer. Oh là là, désolé monsieur. Donc là c'est à gauche, donc il faut que tu te mettes à gauche. D'accord. Voilà. Ok. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. Il s'arrête en plein milieu du rond-point. Il n'y a rien qui va. Et on prend la rocade là. Voilà, c'est exactement ça. Donc sur la rocade on peut rouler à combien? 130, 140 si on est très pressé. Ah non, c'est une mauvaise réponse. Ah, 135? Non. Ah ça a changé. Ah ben non, ça va pas changer. Ah 90? Ah oui, 90. Oh là là. Oh. Putain, c'est rigolo. Il est tout qui me double. Et lui il est pas à 90, il est au moins à 100. Ah oui, il est au moins à 100. Méchant monsieur. Ça se passe comment pour l'instant? Pour l'instant ça va. Tu m'as pas encore fait de faute éliminatoire. Ouais. Ah si, au niveau du stop. Thibaut, c'est un stop. C'est un stop Thibaut. Ah merde, c'est vrai? Ah du coup j'ai loupé le permis là. On verra à la fin. Est-ce que tu acceptes la corruption? Alors ça dépend de qui. Et ça dépend le montant. À droite là? Oui s'il te plaît. Ah il y a un vélo là, il y a un vélo, il y a un vélo. On se décale. Combien de distance de sécurité on peut? 1m50. 1m50 hors aglo et 1m en ville. Mais t'es de même. Pardon. Oh Thibaut. Ah là là. Donc là je vais te faire faire un petit exercice.
Okay. Tu vas rentrer sur le parking du Leclerc et tu vas te garer sur la place que tu veux en marche arrière. Ah, c'est possible à côté d'une voiture, sinon c'est de la triche. Ici, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est pas mal. Oh là là, Thibaut, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais si, regarde, et après on fait comme ça. Allez, et là on serre un peu les fesses. Ça passe, ça passe. Y'a pas un bip bip? Ah non, y'a pas de bip bip sur cette voiture. Bip 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 bip. Eh, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, c'est plutôt pas mal. Mais tu conduis comme un pied. Bah arrête. Le rond-point, t'as pas le clignot et tout, gros. Mais non, mais c'était en option, elle m'a dit. Ah ouais? Non, non. C'est pas vrai, tu comprends ça. J'ai loupé un stop en plus. Dès le début, j'ai loupé le permis dès le début. On essaiera d'en faire une autre. Le frein à main, hein. Ça va pas partir. Et tu me fais encore la vaisselle. Ah oui. Tu me shampoines les assiettes. On attend qu'elle passe. C'est très bien, Thibaut. Merci, madame. Est-ce que j'aurai une gommette? Oui, t'auras une gommette. T'auras un bon point et une sucette. Oui. Ok, on va doucement. On fait attention ici, tu vois, t'as une route. Il y a personne. Oh là là. Oh, oh, oh. Et oh. J'aime bien les marches arrière, je t'ai dit. Eh bien, ma foi. Est-ce que ça fait le taf? Si tu mets pas ta main derrière, ça fait le taf. Ah, on a pas le droit. Regardez, c'est deux mains sur le volant. Ah ouais, même comme ça? Ah oui, même comme ça. On valide? On valide. Yes. On va faire un peu plus au centre-ville, là où il y a beaucoup de monde. Et on va essayer d'aller faire des créneaux. Allez, ça marche. Oh là là. Allez-y, monsieur. C'est une madame. Allez-y, madame. Regarde, Thibaut, c'est un stop. C'est un stop, on marque l'arrêt. Exactement, pendant combien de secondes? Pendant 2 secondes. 3. 3, ça a changé. Ça a pas changé. 3. Alors, tu l'as eu du premier coup ton permis? 3ème. Oula. Griller un stop en sortie de parking. Ah, bah comme ce que tu viens de me faire tout à l'heure. Exactement. Voilà. Il y a un McDo là, est-ce qu'on se fait un petit drive? Allez, on va prendre un McFlurry. Cam, est-ce que ton frère il va avoir son permis? Non, il parle plus qu'il conduit. On voit qu'il fait que parler avec la petite. C'est grave, là. Mais je suis sûr que tout le monde fait ça pour avoir le permis. Ah ouais? Et lui il a grillé la... Oh, madame. Est-ce que c'est vrai que les femmes conduisent moins bien que les hommes? Ah non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'en penses de cette théorie? Bah moi je trouve que c'est complètement n'importe quoi. Oh putain, c'est pas vrai. 80% des hommes sont impliqués dans un accident. C'est vrai? Ah oui. Les statistiques ne mentent pas. Exactement. Je regarde partout. Exactement, c'est même... bien Thibaut. Je regarde un peu trop d'ailleurs, même si ça n'a aucun rapport, je regarde à droite, à gauche maintenant. Il vaut mieux regarder pour rien que ne pas regarder du tout. Le jour du permis, il faut bien indiquer qu'on regarde autour de soi, c'est toujours plus rassurant pour l'inspecteur. Combien d'heures il faut avant de passer le permis? 20 heures minimum obligatoire. Moi j'en ai fait 40. Ah, et moi 35. C'est vrai? Ah oui, ah, t'avais oui. Loupé le permis, c'est vrai. Ah oui, j'avais loupé le permis, j'avais repris des heures parce que j'étais beaucoup trop stressée. Alors là, il y a un gros rond-point dégueulasse. Voilà. Et là, du coup, c'est quoi la règle de priorité? Priorité à droite. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as voulu être monitrice d'auto-école pour prendre ta revanche sur le permis que t'avais loupé? Alors, c'est pas. C'est pas franchement pour ça. C'est surtout qu'un jour, j'ai eu un accident de la route. Ah oui. Qui wow. S'est avéré assez grave. On se dit tous que les accidents de la route, ça n'arrive qu'aux autres. Ouais. J'ai failli laisser ma vie. Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais 2 mois de permis, j'avais 18 ans. J'ai roulé un petit peu vite sur une route qui était mouillée. Okay. Et j'ai glissé dans un virage et je me suis retrouvée dans le champ. C'était un peu traumatisant. Ça m'a un peu traumatisé. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire passer un message important. Que non, les accidents, ça arrive pas qu'aux autres. Et c'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait tout faire. Et ne buvez pas et ne fumez pas au volant. Exactement. Ah, c'est à moi de passer. Priorité. Priorité à droite, Thibaut. La priorité à droite. Hein. C'est priorité à droite, mais c'est arrêté. Oh, pardon, monsieur. C'est arrêté parce qu'il a vu que c'était une auto-école. Il a dû se dire, bon, il est peut-être nul le mec. C'est vrai, voilà. Et il a eu raison. En centre-ville, il faut faire particulièrement attention à quoi? Au piéton. Oui, c'est bien. Yes, un bon point. Et là, on arrive à la fameuse cathédrale d'Albi. Très belle cathédrale, on fait la promotion pour notre ville. La plus grande cathédrale en briques du monde. Exactement. Oh, la cathédrale Sainte-Cécile. Elle est magnifique. Hein. Elle est très belle. Hein. On fait attention à tous les petits plots sur les côtés. Ça marche. Ça s'appelle des bites, non? Ouais, exactement. Donc on fait attention aux bites. Le clignot, gros, le clignot. Ah oui, avec le clignot. Est-ce que t'as une anecdote rigolote en conduite? Oui, alors effectivement, une fois, j'avais pris un jeune homme déconcentré par un groupe de jeunes filles. Il a pilé en plein milieu de la route pour les interpeller. Mais non! Ah oui, oui, oui. Alors, Thibaut, on va essayer de ralentir un peu si tu trouves un créneau entre les deux voitures noires. Oh putain! Ah bah oui, c'est serré, hein. Ah, c'est serré celui-là, on essaye celui-là? Allez, on essaye celui-là, c'est parti. Oh là là! En plus, c'est en montée. Là, on va rigoler. Alors, on met la marche arrière. Voilà, on va essayer de mettre la marche arrière. Regarde, c'est serré à côté. Oh là là. Là, tu vas rigoler. Oh, direct. Oh, non mais. Attends, il est costaud celui-là. Putain. Ok, là, je peux me rebraquer un peu. Tu vois, la chatte qu'il a, il va le rentrer, mais il va pas savoir comment il a fait. Dans l'autre sens. Comme ça? Non, dans l'autre sens. Ah, là, voilà. À fond, à fond, à fond. Comme ça? Voilà. Redresse un peu. Voilà, recule tout droit. Il va y arriver, tu vas voir. Elle est horrible celle-là. Oh le boulet. Et on rebraque dans l'autre sens. Comme ça? Ah, dans l'autre sens. Ah, dans l'autre... C'est bon, t'étais bien. Okay. Le jour du permis, on a le droit de toucher le trottoir, on n'a pas le droit de monter dessus. Ok, il y a plein de voitures qui attendent derrière. On se redresse. Ok.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben c'est plutôt pas mal. Oh, tu m'as fait transpirer pour de vrai là. Les gens, pouce bleu pour le créneau là. Franchement, mettez un pouce bleu pour le créneau en bas de la vidéo parce que c'était pas gagné. Les créneaux en montée, c'est terrible hein. Oh, regarde, un feu rouge. Pour redémarrer, on doit faire quoi? Donc voilà, on va faire un démarrage en côte. Voilà, c'est exactement ça. Un démarrage en côte, en fait, il faut relâcher doucement l'embrayage et accélérer en même temps. Exactement. Ouh, j'ai marqué des points. Attention, non. Distance de sécurité, Thibaut. La voiture devant là, elle est beaucoup trop proche. Là, si la voiture redémarre et qu'elle recule un peu, on risque de taper. Celui qui est en tort, c'est toujours celui qui est derrière. Ah oui, à gauche. Donc prochaine à gauche. La ah oui, clignot, le clignot. On n'a pas regardé. Oh là là, Thibaut. Oh, oh. Il a calé. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai calé, pardon. On éteint et on rallume. Oh, ça va. C'était même pas fait exprès en plus. Est-ce qu'on peut insulter les messieurs derrière? Ah, vous pouvez les insulter, mais faut pas qu'ils vous entendent. Ah d'accord. Et pas le jour du permis, ça le fait pas trop. Combien ça coûte le permis de conduire aujourd'hui? Tout compris, corps de permis, etc. Dans les environs 2000 euros. C'est joli, il y a des petits parapluies. Ah oui, c'est octobre rose. Ah, il y a plein de petits enfants. Exactement. Donc là, faut faire attention là. Parce qu'il y a des vélos, des piétons. Oh là 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 là, des piétons, des vélos. Toujours priorité aux usagers vulnérables. Exactement. On prendra la prochaine à gauche, s'il te plaît. Donc là, on va être le clignot. Oui, mais le clignotant. Je sais pas ce qu'il fait. À la prochaine à gauche. Tu peux pas aller à gauche là. Là, il y a un gros panneau sans interdit là. Ah, c'est bien, je voulais voir si tu le voyais. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'était un piège, je voulais voir si tu l'avais vu. Eh, c'est pas gentil ça, madame. Pour une fois qu'il a mis son clignotant. Mais c'est bien, tu t'es pas fait avoir. Si tu veux, là, il y a un sex shop jusque là. Eh ben, on voit les connaisseurs hein. Mais non, c'était pour une vidéo. Alors, là, il y a les travaux devant là. Ah. C'est bien, aujourd'hui, on a toute une situation quoi. Exactement. On dirait que la vidéo est fait exprès. Les gens, racontez-nous aussi en commentaire vos meilleures ou pires anecdotes en voiture. On fait péter le son ou quoi? Allez, on fait péter le son. Pardon, d'accord. T'imagines le mec en permis qui s'en vient, c'est tout. Pas sûr que l'inspecteur soit d'accord. Putain, j'ai encore calé quoi. Putain. Et je suis sûr, ça m'arrive jamais d'habitude. C'est ta voiture là qui nous fait caler tout. C'est un stop, Thibaut, ça fait deux fois. Pardon, madame. Alors là, tu vas t'arrêter derrière la voiture. Okay. On va faire des petites questions. Alors, est-ce que tu peux me dire les deux derniers chiffres du compteur kilométrique de la voiture, s'il te plaît? Oui, 70. Donc 70. On fait des questions par rapport à ça. Ah. Allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Ah putain. Ça, c'est une question pourrie là. Alors attends. Ah attends. Putain, les feux de brouillard arrière, le truc qu'on allume jamais quoi. Pour que tu fasses un truc avant. Le contact. Voilà. Il est là. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des voyants orange, Thibaut? Parce que c'est des voyants quand même importants. Voilà, c'est très bien. Peux-tu les utiliser en cas de forte pluie? Non, parce que ça fait un reflet. Exactement. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Ah. Hey ah, c'est bien. Quel est l'intérêt de la position nuit? Pour pas être ébloui par les usagers derrière qui ont leur feu. Exactement, c'est bien. Yes. La différence entre un régulateur et un limiteur de vitesse. Alors, ok, le régulateur il va te faire toujours aller à 130 et le limitateur il va te faire aller max à 140, tu vois. Max à 140 hein. Max à, 100, à 150, ça dépend. Max à 130 alors. Bah oui. Alors, sur quelle commande? Ici. Super. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Là. Voilà. Montrez le voyant indiquant une défaillance du système de freinage. C'est celui-là. Alors, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on ouvre le capot déjà pour commencer? Alors, comment on décapote? Ici. Voilà. Allez, on sort. Yes. Bon, mais Thibaut, qu'est-ce que t'as fait? T'as éclaté la voiture. C'est la faute à l'autre gars. Non, ça y était déjà. Allez, on lève. Oh. Ici. Exactement. Où fait-on le remplissage de l'huile moteur? Ça se fait ici. Très bien. Et pour regarder le niveau de l'huile moteur? Ici. Voilà, c'est bien. Quel est le risque d'une insuffisance de l'huile moteur? Casser le moteur. Exactement. Yes. Au moins le détériorer. Le niveau de remplissage du liquide de refroidissement? Ici. Oui, très bien. Le liquide de frein? Ici. Très bien. Et pour finir, le liquide lave-glace? Ici. Très bien. Quelle est la précaution à prendre en hiver? Faut pas que ça gèle. Ah, du coup, il faut faire quoi pour pas que ça gèle? Mettre de l'antigel. Voilà, c'est oh ça. Que doit-on faire si la batterie tombe en panne? Il faut mettre les deux pinces là. C'est très bien. Comment je me suis débrouillé sur les questions? Écoute, plutôt pas mal, Thibaut. Ah. Tu m'impressionnes plus que pour la conduite. Hein. Ah, bah tant mieux alors. On range le capot. C'est bien. Olé. Anne, est-ce que j'ai le permis alors? À ton avis, Thibaut, est-ce que tu penses l'avoir? Franchement, j'étais à l'aise, détendu, pas stressé. Pour moi, je l'ai, c'est sûr. T'es sûr? Je t'ai jamais touché les pédales. Tu les as effleurées, quoi. Je les ai effleurées, ouais. Je t'ai pilé parce que t'as pas respecté le stop. Ah, il y a eu un stop. Ah oui, il y en a eu même deux. Ah, tu vas être noté du coup sur trois grandes parties. La mécanique de la voiture. Tu trouves que tu t'es bien installé? Ouais, quoi, on est là, quoi. Ouais, ça va, calme. Donc, je vais te mettre 2 points. 2 sur combien? 2 sur 2. 2 sur 2. Ah,
C'est cool ça, merci madame. Allez, avec plaisir. Alors, est-ce que t'as bien répondu à toutes les questions que je t'ai posées? Ouais. Ouais, bof. D'accord, c'est quoi? Ça fait combien ça, ouais, bof? L'idée, c'est que le jour du permis, on pose 3 questions. Mais comme t'as pas répondu à toutes les questions, je vais te mettre 2 sur 3. Bon, j'accepte. Tu acceptes? J'accepte. Allez, on accepte. Donc pour l'instant, ça fait 4 points. Il faut que j'en ai combien pour avoir le permis? Il faut que t'en aies au minimum 20. Et pour les personnes qui passent vraiment le permis, les résultats, on les a combien de temps après? On les a 2 ou 3 jours après. Ensuite, connaître, utiliser les commandes. Est-ce que t'as calé, Thibaut? Oh, j'ai ralenti douce. J'ai ralenti quoi? Ouais, t'as ralenti. What? Oh. Il a calé. T'as fait planter le moteur. Ça s'appelle calé ça? Ah oui. Ah, ça s'appelle calé. Je croyais que c'était une ville mais. Ah ben non. C'est pas que ça. Elle est drôle non? Oui ça va. Est-ce que comme je t'ai fait rire, je peux avoir un point en plus? Allez, c'est bien parce que c'est toi. Hein. Allez, je te mets 3 points. Est-ce que t'as bien regardé partout tes rétroviseurs, tes angles morts? Franchement, ouais. Franchement, ouais, mais pas trop. Ah. Quand tu étais par exemple sur les ronds-points, tu regardais pas derrière toi. Donc je vais te mettre 2 points. Ouais, mais quand il y avait une petite là, je la regardais bien pourtant là. Ah oui, ben là, je suis sûre que tu la regardais. 2 sur 3. Adapter l'allure aux circonstances. Est-ce que tu as fait des excès de vitesse dans des lieux où il aurait pas trop fallu? Bon, j'ai roulé un peu à 60 au lieu de 50, mais c'était voilà, pour l'ambiance quoi. Ouais, c'était pour bien s'ambiancer. Voilà. Allez, on va mettre 3 points. Appliquer la réglementation. Est-ce que tu t'es bien arrêté à tous les stops? Thibaut, c'est un stop. C'est un stop, Thibaut. Ah merde, c'est vrai? Oui. Non. Non. Donc là, malheureusement, c'est une erreur. Éliminatoire, Thibaut. Quoi? Ah ben oui, Thibaut, t'as raté le stop. C'est éliminatoire. Mais c'était un petit stop. Ah ben c'était oui. Un stopiné. Un stopiné, mais même un stopitouné, tout petit stop. Même les petits stipounés. Donc là, du coup, on met une croix, erreur éliminatoire. C'est pas bien, ça? Non, c'est pas bien. Mais comme t'es mignon, on va juste compter 0. Yes. J'ai de la chance, hein. Ça va juste pas compter de points. L'examinatrice, elle était pas aussi sympa quand j'ai vraiment passé le permis il y a 10 ans. Partager la route avec les autres usagers. Est-ce que t'as bien mis les clignots? Je pense. Oui. Ok. Non, ça moi va. Moi j'étais derrière. On le suivait, mais t'es pas. Eh, arrête, sors de là, toi. Clignot. Donc ouais, le clignot, ça allait, ouais. De temps en temps, tu les mettais pas. Donc on va mettre 2 sur 3. De, t'es sûr? Ah oui, 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 certaine. Ah. Partager la chaussée. Bah on partage quoi, on est à plusieurs. On... Voilà. Alors non, j'ai pas d'erreur à remarquer là-dessus. Ok, très bien. Donc là, 3 sur 3 aussi. Et ensuite, maintenir des espaces de sécurité, qu'elles soient latérales, devant ou vers l'arrière. Ouh, j'ai marqué des points, non? La distance de sécurité, Thibaut. Je trouve que tu étais parfois un peu trop proche des voitures de devant, surtout quand tu t'es arrêté. Donc ça fait combien de points sur 3 là? Là, bon, comme ça arrivait qu'une seule fois, je vais mettre 2 points. Et donc ensuite, courtoisie au volant, est-ce que t'as laissé passer quelqu'un? J'ai insulté quelqu'un. Est-ce qu'on peut insulter les messieurs derrière? Ah, vous pouvez les insulter, mais faut pas qu'ils vous entendent. Ah d'accord. Ah oui, donc du coup, pas de points. Ah non. Allez, du coup, pas de points. Conduite économique respectueuse de l'environnement. Est-ce que t'as jeté ta clope par-dessus? Je ne fume pas. Eh ben c'est très bien, Thibaut. On va compter 1 point. Alors, total, du coup, calculons ensemble. 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Eh ben 20 pile. Eh ben tu l'as. Ouais. 1 point. J'ai le permis. Ouais. Merci madame. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et dans la vraie vie, je l'aurais pas eu parce que j'ai loupé le stop. Exactement. Et pour avoir le permis, il faut 20 au minimum. 20 au minimum. Wouh. Juste pile. Hein. On a eu chaud. Hein. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bon. Allez, accélère à balle. Allez.